Ouais, ça s'est joué du Rasboard, ça, ouais, évidemment, ça fait que ça, quoi. Et ça croit que ça détient la solution à tout. Et ça sait même pas lire un jeu, ça sait même pas quand ça a gagné, quoi. C'est impressionnant, quoi. Impressionnant. On devrait créer une catégorie rien que pour eux, quoi. Jean-Kévin. Oh, j'ai la haine. Je peux pas les saquer. Bon, payeur. Figurine. Le ça, c'est une carte de... Ah, quoique non, ça, celle-là, je l'ai aussi. Donc celle-là, on peut l'avoir. Je l'ai eu, je sais plus comment. D'ailleurs. J'ai dit bonjour. Je sais même pas si j'ai dit bonjour avec tout ça. Je suis tellement énervé là. Je suis hors de mes gonds. Et allez, vas-y, commence à faire n'importe quoi. Ah, il m'a énervé avec son rasboard de merde. Apprends à jouer, punaise. Apprends à lire un jeu, t'avais gagné, quoi. Impressionnant. Allez, c'est parti. De toute façon, je m'en ai d'autres. Voilà. On monte vers les 27. À 27, il y aura un gap. Vingt-trois. Il va me détruire soit ma blanche, soit mon bleu. Même pas. 24. On met un maximum de dégâts. 25. Là, il va me détruire ma blanche ou mon bleu. Pour l'instant, le prêtre, il n'est pas encore assez menacé. Il arrête. Eh ben écoutez, franchement, c'est un deck de début de game pour des débutants. Et malgré tout, il a l'air de passer sur pas mal de choses. 275 d'XP hein, quand même. Et une carte pour un deck noir, c'est Encre d'Assassin. Encre d'Assassin. Ce sort coûte 1 de moins à lancer si vous contrôlez un artefact et 1 de moins à lancer si vous contrôlez un enchantement. Détruisez une cible créature. Ouf. Planeswalker. Elle est bien. Bon après il faut la jouer enchantement artefact mais ça peut se trouver. Hein. Ok. Bah écoutez. On... Attendez, je relance la vidéo. Ouais, je suis obligé de régulièrement relancer les vidéos parce que sinon ça fait trop à traiter après pour mon programme et mon ordinateur bug. Donc, je suis obligé de faire des vidéos d'un certain poids, on va dire. Certain nombre de gigas. Bon bah écoutez, on s'en sort. Hein. On lui a dit bonjour. Je me rappelle plus. Bon, écoutez, l'ouverture se fait toujours à peu près pareil. Et ce qui est bien, c'est que vous voyez, on a toujours une carte quand même à jouer. Sanctuaire. Attention. Ce qu'on va faire, on va jouer un volant.
On attaque, on met déjà 3 points, on descend à 16. Voilà, il remonte à 17, il m'enlève un point. Il abandonne. Sérieux? Sérieux? Ouais. C'était que le début de partie? Bon, 50 et 275. On est déjà au niveau 20. Hein. J'attire votre attention. Hein. Vu qu'on gagne un max d'XP le dimanche, on était au 17 ou au 16, je me rappelle plus. On a déjà pris 3 niveaux. Hein. Et on n'a pas fini. Hein. On n'est même pas à la moitié. Hein. Alors évidemment, plus on va monter en niveau de maîtrise et plus automatiquement il faudra d'XP. Mais vous voyez le boost que ça vous donne le dimanche, quoi. Non, je peux pas jouer là. Hop, on va mettre ça, on va dire bonjour. Restez poli, même si on s'énerve facilement. C'est pas une raison. Ok. Prochain tour, on a 4. Donc là, il va me détruire. Bah ouais, évidemment. Ah non, il me dégage ma carte, ce qui est pas plus mal. Il attaque, il m'enlève un point, il est content. T'es trop fort. Je rejoue ma carte qui va me renvoyer, mais en même temps je passe celle-ci. À moins qu'il me l'interpelle, il va me l'interpeller. Voilà. C'est interpellé. Un contre-sort. Donc il a du renvoi, il a du contre-sort. C'est les informations à avoir en tête. Donc là, il va m'immobiliser ma carte. Voilà, comme ça il va jouer les siennes. Voilà, il est content. Bon, il commence à me saouler avec sa carte. Donc elle, en plus, elle pioche. Elle pioche plus. Voilà, on a récupéré les 3 points. Et puis tant qu'on y est, de toute façon, comme il m'a gavé, hop. Voilà. Et j'attaque. Soit il interpelle, soit il sacrifie. Allez, vas-y maintenant. Fais ton choix. D'accord, il a posé. C'est quelqu'un qui paye. Il a. Donc là, il va m'immobiliser l'autre carte. Ah non, il m'immobilise la même. Alors qu'il aurait été plus intelligent de m'immobiliser celle-ci. Parce que celle-ci, maintenant, je peux sacrifier. Voilà, t'as l'air bien. Donc c'est quelqu'un qui paye. Hein. Protège anneau, on l'a pas gratuitement. Et familier, on l'a pas gratuitement. Il me fait sauter la carte comme d'habitude. Il va attaquer. Il va prendre une carte. Ouf, là ça va devenir difficile. Ouais, ça va devenir pénible même. J'aurais mieux fait de garder mes cartes plutôt que de péter ces petites cartes. Là, j'ai fait une bêtise. Enfin, et encore, c'est même pas une bêtise, c'est carrément une grosse gaffe. Ah. La première carte, ouais, j'aurais dû lui péter, mais la deuxième carte, j'aurais dû. Ok. Hop. On va essayer de rester au score. Voilà. Oh punaise, en plus il capture. Ouais, bah c'est fini. Je pourrais rien faire là. C'est impossible.
Est-ce qu'il capture temporairement ou il capture jusqu'à la fin un carré de contrôle d'un artefact ou d'une créature ciblée dégagée là? D'accord. Contre-sort. Voilà, c'est bien. Je suis remonté. Bon, c'est terminé. Je pourrais rien faire. Concéder. Ils me médisent déjà, même si je m'interpose sur celle-ci. Et en plus, il y a deux jetons qui vont être créés, puisque c'est ma carte. Donc vous avez vu, les joueurs en bleu, sort de compte, de contre, sort de renvoi et sort d'acquisition de cartes ennemies. C'est un combo qui... marche bien en bleu. On dit bonjour monsieur. Protège-carte payant. Alors ça, il faut avoir des... Voilà, c'est pour ça que j'aime bien les trucs de ruines, parce que ça, normalement, je vais le recasser. Reliquaire, on est mort. Reliquaire, on est mort. On va la perdre. Hein. Je vous le dis d'emblée. On peut pas la gagner, celle-là. Pas avec ce deck là en tout cas. Ça y est. Bon, maintenant il peut choisir ses cartes de reliquaire comme il veut et les faire venir directement sur le board. Moralité, préparez-vous, ça va être un carnage. Donc là, dans un premier temps, il va faire venir une carte rouge, c'est ça? Une carte rouge qui détruit, voilà, c'est ça. Donc il va me détruire mes cartes les unes après les autres. C'est fini. Je peux dire au revoir. Là, il peut déjà me détruire des cartes au niveau 3, 4 ou 5, je sais plus. Donc déjà, mon lion, il va sauter à la prochaine étape. Là, il pioche. Celle-ci crée du mana. Celle-ci permet d'aller chercher les cartes dans la bibliothèque ou le cimetière. Celle-ci détruit. Voilà, bah 4, vous voyez, je vous l'avais dit, hein. Et maintenant il va redescendre. Et si je remets une grosse carte, il va me détruire ma grosse carte. Il n'y a rien à faire. La prochaine, vous voyez, il vient de m'avertir. La prochaine, c'est la jaune. Mais la prochaine, ça va être celle-là. Parce que celle-là, il peut pas se permettre de la laisser. Voilà. Il montre qu'il va me détruire. Celle-là. Parce que monsieur, il a un gros deck par rapport à un débutant, donc en gros, il se permet de te donner un coup, en fait. Comme il est sûr de son deck de compétition qu'il a été chercher sur le net. Alors, je dis ça, mais moi je l'ai aussi, hein, mais j'en avais marre de me faire détruire. Donc là, en plus, maintenant, il va me piquer de la vie et il va se régénérer. Cette carte-là permet de mettre autant de dégâts que vous avez de reliquaire, donc il met 5 de dégâts. Et il gagne 5 de vie. Donc en gros, je vais baisser et lui va monter sans arrêt. Celle-ci permet de piocher autant de cartes que vous avez de reliquaires. Donc ça veut dire 5. Celle-ci met autant de dégâts que vous avez de reliquaires. Donc ça va être 5. Voilà quoi. Se défausse de 2. Bon, de toute façon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je peux pas gagner, je peux pas gagner. Hein.
Si j'ai pas de mana, j'abandonne. Ça sert à rien. Voilà, là maintenant, vous voyez, il m'avertit qu'il va me détruire la jaune. Voilà, c'est parti. T'es trop fort, mec. T'as trop payé tes cartes. Moi, je les ai eues par des jokers, et en plus, quand je l'ai créé, mon reliquaire, je me suis aperçu que j'avais 90% des cartes grâce à mes collections. J'ai dû payer que. D'accord, dispersion. Allez, c'est terminé. Ça sert à rien. Bah non. De toute façon, je vais vous pourrir vos stats vu votre modèle économique, donc. Hop. On y retourne. Alors, Titoragnox. D'abord, bonjour. J'attends que tu mulliganes ou pas. Ou que tu joues. Non, c'est moi qui joue en premier. J'attends que tu mulliganes ou pas. Quand tu veux, mec. Punaise, eh. Il faut pas des heures pour prendre une décision, quand même. Alors, des fois, il y en a, ils font exprès. Ils essayent de vous avoir à l'usure. Donc ils vous font perdre du temps. Ça y est, il y a eu du mouvement. C'est bon, on peut y aller. Deck aggro, normalement on a perdu. Il m'a mis 5 points de dégâts quand même avec sa petite carte là. Ouais, c'est reparti. Je laisse passer, je peux rien faire. Ça sert à rien, il a l'initiative, il va me péter ma carte avant et j'aurai rien gagné, donc vas-y. Ouais, fais-toi plaisir. Allez, 11 points. Bon, de toute façon, il a gagné. Ça sert à rien d'insister avec. Voilà. Sa technique est meilleure que la mienne là. Sur ce coup-là, je peux rien faire. Je peux pas lui intercepter, j'ai pas de carte qui casse. Les cartes qui cassent, en plus je suis obligé d'attendre qu'il attaque pour dire de pouvoir intercepter. Pour l'instant, je suis en début de jeu, j'ai pas beaucoup de solutions pour dire de pouvoir résister à un adversaire qui sait jouer son deck. Donc en gros, là ça se. Stratégie, elle va passer quoi. Faut que je fasse évoluer le jeu assez vite, mais le problème c'est que je gagnerai jamais assez pour évoluer plus vite qu'eux. Allez, on est parti.
On va dire bonjour au monsieur. On va jouer la carte. Donc on joue contre du vert. On en profite, on essaye de passer quelques points. Ok. La grosse bestiole qui tâche. Ok. On n'attaque pas, ça sert à rien, on passe pas. Oh la vache! Oh, ça sert à rien, j'ai pas de sort d'interception, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ok, je passe pas, donc j'attends. Si lui il essaye de passer, par contre, je peux peut-être essayer d'intercepter sa carte. Oh punaise, il a du. Oh, et la morsure. Vous voyez, deck vert, morsure? Grosse carte, morsure, ça passe. Je vais perdre. Parce que, évidemment, voilà. Donc là, s'il utilise morsure, il me met 10 points. Il est emmerdé. Il sait plus comment gérer. S'il attaque avec sa grosse 10-10, j'ai moyen de l'intercepter. S'il attaque avec ses cartes 4, 2 et 3, 2, 3, 3, j'ai moyen de l'intercepter. Il est embêté. Ce qu'il sait pas, c'est que j'ai du volant. Lui, il est au sol. Aucun intérêt à attaquer. J'attends. J'ai généré assez de mana pour dire de créer. Donc là, ma carte, elle s'envole. Il va me la péter à un moment ou un... Non, il abandonne. Ouh, fou. Donc vous voyez, les grosses cartes, ça fait pas les grosses victoires. C'est pas vrai. Hein. Donc mieux vaut avoir des petites cartes évolutives qu'une grosse carte. Une grosse carte va rester une grosse carte. Une carte évolutive au long de votre round, en fait, vous jouez, vous investissez sur le temps. Et vous voyez, investir sur le temps, ça vaut vraiment le coup. Et encore, il a de la chance. Là, j'ai des cartes qui prennent en compte mes créatures qu'à partir du moment où elles arrivent sur le board. Imaginez si j'avais des cartes qui prenaient en compte mes créatures plus les créatures de l'adversaire. Comment ça montrait? Grimoire mystérieux. Ok, on est déjà assez. On y retourne. Vous voyez, on prend de la défaite quand même, hein, mais on essaye de gérer au mieux, quoi. Hop, on va dire bonjour au monsieur ou à la madame. King Force, ça doit être un monsieur. L'arrière de carte, c'est peut-être une madame d'ailleurs. C'est payant. C'est pas une carte, c'est pas un protège-carte gratuit, ça. Réacteur, jamais su vraiment comment l'utiliser ce truc-là. Il me remet un deuxième réacteur. Il les fait monter en puissance. À mon avis, à un moment, ça fait des décharges et ça va me péter mes cartes.
on prend 3 points. Hop, ça fait 15. Ok, il interpose. Il interpose. Alors là, il va essayer de me péter une carte, non? Il prend des dégâts. Et il pose. Il amalgame. Il monte en puissance. J'attaque pas, ça sert à rien. J'attends ma prochaine carte. Nouvelle carte. Est-ce qu'il a amalgame? Il amalgame. Mais il fait du 3-3. D'accord. Il va attaquer pour essayer que j'interpose ma 4-4. Voilà. Alors, je comprends pas pourquoi j'ai pas le droit. Bon, bah écoutez, si j'ai pas le droit. Mais là, normalement, je devrais pouvoir la jouer, celle-ci, je comprends pas. J'ai assez de mana quand même. Si je joue, je meurs. Donc là, il va me renvoyer la deuxième. Il va remettre ses cartes sur la deuxième. Je pourrais toujours rien faire. Pff, mon Dieu. Voilà, il met son marteau. Ah non, il met sur un pion. T'es sérieux? Ok. Et là, sur un autre pion, il va jouer du contre. Il va jouer en contre, là. Il met ses cartes en contre. Si je passe, je perds mes cartes. Alors le souci, c'est qu'il y a un truc qui sait pas. Il va me détruire ma carte. Ouais, bah voilà. Bon, bah c'est foutu. C'est fini. Ouais, je peux même pas interposer ma carte. C'est terminé. Il est en double initiative. Quoi qu'il arrive, il me détruit ma carte avant que je puisse lui mettre des dégâts. Donc, c'est bon, c'est terminé. C'est con parce qu'à un round près, je jouais mon ange qui rendrait indestructible ma carte 4-4 et je créais des jetons, quoi. Et je faisais monter ma carte cheval, là. Oh, mes licornes. Oh, la vache. Un round près. Bon, bah c'est tout, hein. Allez. J'ai dit bonjour, je sais même plus. Ouais, on va dire bonjour, allez hop. Elle est belle, il est beau son dessous de carte là, noir, Arena. Ah, il paye. Il y a aussi la petite bestiole. Il a son renard. Familier. Donc ça se paye. Ok. Hop. Ici. On va maximiser. Il joue en quoi lui? Un color, ok. Il joue en un color, il va avoir des grosses cartes. Hein. Je risque de me prendre Ugin, je risque de me prendre Al. Je sais plus comment là, Ulamog. Je risque de me prendre Construction, là, je sais plus quoi. Hop, Automate. Alors, 4.
on va maximiser aussi. On le descend à 14. On passe à 5. Ok. Vous voyez, avec un 1-1, il m'empêche de jouer une carte là, qui pourrait m'aider à monter ma blanche en plus. Enfin, ma licorne. Alors, on est parti. On a 5 points. J'ai 2 cartes à jouer. Vaut mieux que je joue celle-là. Ah, je peux encore jouer. Donc, là, celle-là, je la joue en dernier. Vous allez voir. Hop, ça déclenche déjà la Valkyrie, qui me fait monter déjà mes deux cartes et qui crée un jeton par le biais de la guérisseuse. Je peux jouer ça et ça. J'ai pas besoin de jouer mon chat pour l'instant, tant pis. On montera moins vite, mais voilà. Donc là, quoi qu'il arrive, il est en 2-2, mais je peux l'avoir avec ma Valkyrie. Ugine, non? Eh ouais, Ugine, évidemment. Qui va me détruire mes cartes les unes après les autres. C'est fini, c'est mort. Je suis mort. Donc, j'attaque. Voilà. Voilà, voilà. J'ai eu de la chance. Il a joué Ugine juste avant moi, donc il n'a pas eu le temps de vraiment l'utiliser. Et en plus, je crois qu'il sait pas l'utiliser, parce que créer un jeton quand tu peux détruire, vaut mieux détruire. Le jeton, il va pas résister longtemps. 50, 275, on est déjà au niveau 21. Je vous rappelle qu'on est parti du niveau 16 ou 17. Je me rappelle plus très bien. Mais en tout cas, on est déjà au niveau 21. Ça fait 4 niveaux là, hein, sur un dimanche. Voilà. Pourquoi je vous dis de jouer le dimanche? On n'est qu'à la moitié. On vient de gagner, donc à mon avis, là, on va perdre. Fruf. Bonjour, Fruf. On pose. On dit bonjour au monsieur. On a une éducation. Allez, hop. Monsieur paye. Dessous de carte plus familier. On pose. Il va nous détruire. C'est un simique. Vert bleu. Ah non, c'est pas un simique, c'est un tricolore là. Il est vert bleu noir. Donc on est en train de décaler directement vers le rainbow au fur et à mesure. On va voir s'il s'arrête là. Donc là il pose du vert. Ok. J'entends bien. À mon tour, j'attaque. Je lui prends 2 points. Je pourrais pas l'arrêter, puisqu'il a l'anneau. Et que les créatures supérieures ne peuvent pas, donc supérieur à 2. Supérieur à 2, je suis à 3, je suis à 4, donc il passe. Il passe tranquille. Et il me rajoute 3 points à chaque fois qu'il tape. Donc il me met un dégât, il m'en met 4 en fait. Il est embêté, je sais pas s'il doit attaquer ou s'il doit se mettre en interposition. Pour lui, le plus intéressant actuellement, c'est plutôt d'attaquer, parce que de toute façon il se met en interposition, il pourra pas arrêter mes cartes. Il va être obligé d'attaquer sans arrêt. En espérant que je fasse pas autant de dégâts que lui. Ok, c'est parti. Alors là, il peut me mettre 3 de dégâts. Donc on va jouer ça et ça. Voilà. Ok, c'est bien.
Si tu veux attaquer le même. À chaque fois, il se plante, les mecs. Voilà, je lui mets des dégâts et je prends 2. Et en plus, maintenant, je passe à du 6-6. Vous voyez, je suis passé à 27. Là, il est obligé de taper. S'il frappe pas, je reste à 27. Je reste à un niveau où je vais mettre des dégâts maximum. Donc là, lui, dans sa stratégie, il faut qu'il sacrifie ses cartes et qu'il m'enlève au moins 2 points. S'il m'enlève pas mon statut de 27, là, la prochaine fois, je vais encore créer plus de... Bon, bah, il abandonne. Il a pas voulu sacrifier. Et ça, je vous rappelle, c'est la Valkyrie hein, qui fait ça automatiquement. Valkyrie bleue, là, elle, à partir de 27, elle met 2-2 sur tout le monde. Museleuse de Raffine. Quand la muselière de Raffine arrive sur le champ de bataille, elle connive. Quand la muselière de Raffine meurt, créature ciblée qu'un adversaire contrôle gagne moins X jusqu'à la fin du tour. X étant la force de la muselière de Raffine. Ok, donc moins 1 en fait, pour l'instant. 275 d'XP, on est dimanche, hein. Je vous le rappelle. Il y a peut-être une chance que ce soit un deck reliquaire. Si c'est ça, c'est foutu, hein, je vous le dis d'emblée. Voilà, ça y est, il commence déjà à me retirer déjà des points. Voilà. Tous les rounds, il va m'enlever un point et il va en gagner un. En réalité, si j'arrive pas à jouer, je suis mort. On attaque avec tout. De toute façon, pour l'instant, on n'a pas d'adversaire. Enfin, on n'a pas de carte sur le board, du moins. Un adversaire, on en a un. On est revenu à 20. Il part à 21 et je pars à 19. Pour l'instant, j'ai pas de bol, j'ai pas de carte de créature. Voilà. Bon, confirmation. Et en plus, maintenant, il va me vider. Il va me vider ma main. Puisque cette carte-là, en fait, permet de défausser autant de cartes que vous avez de... Voilà. Deux cartes. Celle-là et celle-là. Tant pis. La prochaine fois, il faut que je joue absolument ma carte, ma grosse carte. Si je n'arrive pas à la jouer, bon, c'est bon, il va commencer à me détruire mes cartes. Il me met trop de dégâts. Tant pis, je joue celle-là parce que des deux, il y en a une qui va pas passer. Et je préfère créer du jeton que être invulnérable. Non, qu'est-ce que tu fais là? Tu te calmes déjà? Je perds ma gardienne. Peut-être que je pourrais la faire revenir autrement. Voyez, plus il rajoute de reliquaires, plus il me fait de dégâts et plus il récupère de vie. Là, il va me faire encore plus de dégâts. Il me fait 4 maintenant puisqu'il a 4 reliquaires. Voilà, j'ai perdu, hein, je vous le dis d'emblée. Hein. Cherchez pas à comprendre, là c'est mort. Mathématiquement, je peux pas m'en sortir. Et en plus, il a de quoi intercepter mes enchantements. Bon, bah, c'est mort. Je pourrais rien faire.
J'essaye de résister. Là, sa carte reliquaire qui m'enlève des cartes de main ne sert plus à rien, puisque j'ai plus rien. Et je vais jouer les cartes au fur et à mesure. Donc déjà, cette carte-là, elle est mise en échec. Sa carte mana, je peux rien faire. Et sa carte dégâts, il va m'en faire. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je peux rien... Moi, tout ce que je peux faire, c'est jouer au maximum mes cartes pour faire un maximum de dégâts en très peu de temps. Faut que je ralentisse au maximum ma chute. Là, j'ai perdu déjà un point par rapport aux 20 que j'avais avant. Donc là, voilà, il me prend 4 points. L'autre va me mettre des dégâts. Il va prendre de la régène. Donc là, autant de points de régène que de reliquaire. Il va être sur du 6, là. Il met des dégâts. 5 de dégâts maintenant. On était à 4 hein, juste avant. Bon, ça m'arrange pas parce que c'est des cartes, je peux pas les jouer. Par contre, ça va me faire de la vie. J'y avais pas pensé. Ouh, c'est bon ça. J'avais oublié aussi que ça faisait ça. Donc, 1, 2, 3. 4, 5 et 6. Si ça passe, il est mort. Il va devoir s'interposer. Il va me tuer mon chat. Non, il va me tuer ma petite carte. Je sais pas comment il compte, mais il aurait dû me tuer mon chat. Il est mort. Wouah ! Gagner contre un reliquaire avec un deck de début. Il s'est... Ouais. Et en plus, j'ai rien perdu, je suis à 20. La classe! Comme quoi, c'est pas le tout d'avoir un bon deck, hein. Faut savoir le jouer. Et le mec là, il savait pas le jouer. 50 et 275, c'est cool. Allez, nouvelle donne, c'est lui qui commence. Déjà, son protège-carte, c'est pas un protège-carte gratuit. Allez. Ok, et en plus, ouais, il monte en puissance au fur et à mesure qu'il en pose. D'accord. Ok, autant pour moi. Alors, j'aurais pu détruire, mais je vais pas détruire. Je vais essayer de construire au contraire. Donc, à chaque fois qu'il y a un volant, il va monter en puissance. Je peux rien faire, je laisse passer. Je vais devoir encaisser. Donc ici, il est déjà en 4 et quelques. Je vais détruire. Je peux pas détruire celui-là qui est... Voilà. Et j'attends mon heure. D'accord, il joue un rampant.
Il va attaquer. Pour l'instant, il a l'ascendant. Je peux rien faire. Soit il me détruit, ouais. C'est ce que j'aurais fait. Bah écoutez, je suis désolé, mais je peux rien faire. Je suis obligé de subir. Là, j'ai pas le choix, je peux jouer que ça. Oh là là, il a des contre-sorts. Je peux rien faire, je vais attaquer. Ça sert à rien, de toute façon, je suis mort. Et d'ailleurs, il a gagné. Allez, c'est bon, t'as gagné. Je lui concède. Ça aurait rien changé hein, si j'avais pas attaqué. J'aurais dû intercepter. Il aurait gagné avec truc. J'avais plus rien sur le board. Quoi qu'il arrive, de toute façon, je m'en sortais pas. Donc, ça sert à rien. Quand c'est comme ça, faut pas insister. J'étais débordé, même avec les grosses cartes que j'avais derrière et que j'aurais joué, de toute façon, quoi qu'il arrive, il me débordait. Allez, on commence le jeu, on dit bonjour au monsieur, ou à la madame, je sais pas. Encore un dessous de carte qu'on n'a pas comme ça, donc c'est un payant. Et en plus, il a son familier. Donc voilà. On inverse, on lui pique son point. Il pourra plus jouer, moi non plus. Il va me casser ma carte. Voilà. Deck noir dans toute sa splendeur. Voilà. On rejoue un volant qui pourra pas intercepter. Là, je peux aller rechercher un point. On est à 19-19. Non, on est à 19-20. Punaise, il prend 2 points le petit là. Pourquoi il prend 2 points d'ailleurs? Je comprends pas. Alors là j'ai un choix, soit je sacrifie, non je vais pas sacrifier pour ce coup-ci, je le laisse passer, je pose, il peut me tuer ma volante, ça sert à rien d'insister. Il en repose une deuxième parce qu'une première c'était pas assez. Il joue, bon bah c'est bien, joue. Ok, c'est bien, t'es plus fort. Alors là, il va falloir faire un choix, à moins qu'ils me la détruisent. Sachant que s'il m'attaque, d'accord, il décide de me tuer ma petite carte pour créer du jeton, d'accord. Il va me détruire ma grosse carte. Ouais, évidemment. Bon, bah, ça sert à rien, je vais pas pouvoir développer le jeu. Allez, c'est fini. Terminé. Il va me détruire la 4-4. J'attaque pas, j'attends. Il a que 2 points à mettre, c'est terminé, je suis mort. Il va tacler avec ses petits jetons en plus de ses gros, il va tout envoyer. Et en plus, il me détruit. Il me détruit un terrain, il me détruit une créature. Ok, d'accord. Et un enchantement. Bon, bah écoutez. Ça sert à rien d'insister. Cette carte-là est hyper intéressante, victime de la guerre. On va aller voir. Zut, trop tard.
Bon, victime de la guerre pour les decks vert noir, je crois, ou vert. Regardez un peu ce que c'est, mais c'est hyper intéressant. Ça vous claque un terrain, une créature et un enchantement. Là, il a fait la totale en une carte.